Alors, nous sommes une journée de TMO, le jeudi en l'occurrence, avec des sujets typiques, classiques de TMO. Ici, une fiction en décor naturel, où Artaud et Malou tentent de crédibiliser un effet nuit américaine, en éclairant l'intérieur. Voilà, donc ils sont en train de régler les différents projecteurs pour que ce soit que les images répondent aux attentes du réalisateur. On va aller voir l'équipe image complète. Donc ici, malheureusement, c'est une journée un peu pluvieuse, mais nous avons Marina qui est en train, elle, de paramétrer la caméra, qui est une caméra un peu spéciale, plutôt dédiée à la fiction. Nous verrons tout à l'heure des caméras plus spécifiques au reportage. Et donc, il y a des paramètres particuliers pour faire en sorte, encore une fois, de répondre aux attentes du réalisateur. Ici, donc, nous voyons l'effet réalisé par Artaud et Malou. Donc, à travers deux hublots, on va donner du sens à cette nuit américaine. En tout cas, donner de la crédibilité. Alors, nous avons fait quelques hectomètres et nous nous sommes retrouvés sur le plateau fiction. Donc, le plateau fiction, c'est une installation d'un décor qui représente un appartement. Et ici, nous avons trois étudiantes, Meredith, qui s'occupe de la lumière. Elle est chef électro sur ce projet, sur ce TP. Elle est sous les ordres de Colline. Colline, qui pour l'instant est chef opératrice. Elle s'occupe à la fois du cadre et à la fois de la lumière. Elle donne des consignes à Meredith pour l'installation. Et nous avons donc Rislan, qui est actrice pour l'instant, mais tout à l'heure sera chef opératrice à son tour, voire électro. Voilà. Donc, elles sont en train de faire des répétitions pour répondre aux attentes du réalisateur, c'est-à-dire en termes esthétiques, ils vont donner du caractère à leur image en fonction des desiderata du réalisateur.